Madame, vous êtes d'où? Vous êtes d'où? Vous êtes Bamileke? D'où? Vous êtes Bamileke de Tonga, à l'ouest. Est-ce que vous avez un rapport avec la polygamie? Est-ce que vous avez un rapport avec la polygamie? Oui, papa, je suis né dans un foyer polygamique. Vous êtes né dans un foyer polygamique? Oui, papa. Je suis né dans un foyer polygamique. Est-ce que vous êtes marié? J'étais marié, l'homme m'a abandonné. L'homme vous a abandonné? Oui, papa. Est-ce qu'il avait un rapport avec la polygamie? Oui, il m'a présenté une femme avant de m'abandonner que je n'accouche pas. D'accord, donc il en avait deux? Oui. Ok. On va arranger quelque chose. Ça, c'est ton mari? Oui, papa. Ça, c'est qui? C'est ma femme. Ok. Vous êtes enceinte? Non, papa. Pourquoi le ventre est comme ça? Je suis enceinte. Vous avez combien d'enfants? On n'a pas encore d'enfants. Vous êtes marié, ça fait combien de temps? Ça fait deux ans et demi. Est-ce que vous avez une bouteille d'eau? Vous avez une bouteille d'eau? Oui, papa. Apportez. Venez avec ici. Vous étiez dans un foyer polygamique. Ça veut dire que vous êtes marié dans une famille polygamique. Vous sortez d'une famille polygamique. Je suis sorti d'une famille polygamique. Vous êtes entré dans un foyer polygamique. Oh, le mari vous a mis à la porte parce que vous n'avez pas d'enfant. Mis à la porte que je n'ai pas d'enfant et il a pris une autre femme. Il a pris une autre femme. Oui, et il m'a abandonné. Et il vous a abandonné. Oui, papa. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Je veux que le Seigneur me donne mes enfants. Vous voulez les enfants? Oui, papa. Venez à côté du couple aussi. Madame, regardez cette femme. On la chasse du mariage parce qu'elle ne fait pas d'enfants. Quel genre d'homme peut agir ainsi envers une femme? Il ne l'a jamais aimé. Vous n'aimez pas une femme pour les enfants. Maman, je veux prier avec vous. Mais il y a... Vous faisiez le commerce. Oui, papa. Vous faisiez le commerce, n'est-ce pas? Oui, papa. Vous vendiez au marché. Oui, papa. Regardez, il y a quelque chose. Vous connaissez Vincent? Hein? Au marché, vous vendiez. Oui, papa. Il y a un jeune homme qu'on appelait Vincent, oui, qui vous draguait. Oui, papa. Et il signait derrière vous. Oui, papa. Et vous savez où il est maintenant? Je ne sais pas. La dernière fois que vous l'avez vu, ça fait combien de temps? C'était quand mon mari m'avait abandonné. Il me disait que pour plus, ça fait longtemps. On s'est séparés, ça fait depuis peut-être entre 8 ans. Avec qui? Je dis avec le gars qui me cherchait quand mon mari m'a laissé. Vincent. Oui. Le problème d'enfance, c'est vous a fait marcher. Vous avez marché. Vous avez marché pour chercher l'enfant jusqu'à aller chez les nordistes parce que vous vouliez l'enfant. Vous êtes allé chez une femme marabout qu'on appelait Salamatou parce que vous lui avez dit que votre mari vous a cherché à cause de l'enfant. Vous lui avez dit que vous voulez l'enfant. Je marche partout. D'accord. Vous êtes allé, on vous a donné les remèdes. Vous avez pris les remèdes dans les bouteilles. On vous a remis des remèdes dans des bouteilles, dans trois bouteilles Supermont. Elle vous a remis des liquides avec des écorces. Elle vous a dit d'aller boire et de vous purger avec. Et que vous auriez l'enfant. Oui, mais vous avez pris le remède, ça n'a rien fait. Maintenant, on va essayer Jésus. Amen. Oh Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Qui croit que Dieu peut mettre un enfant? Amen. Un enfant. Amen. Un enfant dans le ventre de cette femme rejetée. Amen. À cause de sa stérilité. Croyons. Seigneur, je prie que ces deux femmes reçoivent des bébés maintenant. Amen. Que les myomes, les fibromes disparaissent au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que ta gloire. Mettez les mains au ventre, touchez votre ventre, mettez la main au ventre. Père, je commande au nom de Jésus. Tout ce qui retenait les bébés dans leur ventre, j'enlève cela. Amen. J'enlève cela. Amen. J'enlève cela. Amen. J'enlève cela. Amen. J'enlève cela. Amen.
Je retire ça au nom de Jésus. Amen. Père, je commande que l'année prochaine, à cette époque, ces deux femmes accouchent. Amen. Père, je prie que cela soit ainsi pour elles. Amen. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Free in Jesus' name. Amen. Je dis charnement de ta voix. Passez le micro. Regardez. Je vais prier pour vous. J'ai prié pour l'enfant. Buvez-le aussi au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour l'enfant. Mais il y a un problème qui s'est posé. Le problème, c'est la question que j'ai demandé à Dieu. Elle va faire l'enfant avec qui? J'ai vu un homme qu'on appelle Vincent à côté d'elle. Hein? Et j'ai vu Vincent. Et il y a des choses que vous avez subies. Il y a des choses que vous avez subies dans votre mariage. Beaucoup de choses que vous avez subies. Et j'ai vu des amis de votre mari vous draguer, qui n'étaient pas sérieux. Partout. Attendez. J'ai souffert pour ça jusqu'à. Oui, attendez. J'ai attendez, eu trop maintenant. De problèmes pour attends, ça. Attendez. Quand je. Bernard, c'est qui? Bernard, c'est qui? C'est l'ami toujours de mon mari. Les yeux de Bernard étaient sur vous. Hein? Bernard vous a convoité. Eux tous m'ont fatigué parce Paul, que. Fait, Paul, tous... il avait aussi un ami qu'on appelait Paul. Votre mari, il avait un ami qu'on appelait Paul. Paul vous a aussi dit qu'il vous aimait. Ils m'ont fatigué parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je les ai dit que comment je peux séparer avec votre frère m'abandonne. Et c'est vous alors, je vais vivre comment devant Dieu. J'ai la crainte de Dieu, je ne peux pas. Je ne D'accord. peux pas. Donc ce que je dis est vrai. Oui, prophète. Ok, regardez. Elle, on va faire comment? Il faut qu'elle ait l'enfant l'année prochaine. Que Dieu Amen. L'a Amen, prophète. Mais son mari l'a abandonné. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que Dieu me donne les enfants. Les enfants vont venir seuls. Elle ne comprend je pas mon problème. Je veux un mari. Je veux un mari, prophète. D'accord. Digne de moi, prophète. Je ne veux pas l'homme qui va me tromper toujours. Oh. Elle dit qu'elle ne veut pas un homme qui va la tromper toujours. Wow. Est-ce qu'on peut faire ça pour elle? Amen. Tendons la main vers elle. Tendons la main vers elle. Père, l'Église demande un mari pour notre soeur avant la fin de cette année. Seigneur, avant la fin de cette année, donne-lui un mari, un homme qui va l'aimer et qui ne va pas la tromper dans le nom souverain de Jésus. Ô Dieu, souviens-toi des batailles de cette femme et accorde-lui le désir de son cœur. Un mari avec qui elle aura des enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous avez quelqu'un qui vous aime? Oui, papa. Vous avez quelqu'un qui vous aime là maintenant? Oui, papa. Vous l'aimez? Oui. Hein? Oui, papa. Vous l'aimez? Je l'aime. Il est où? Il est chez nous, à Makinene. Il est à Makinene? Oui, je suis à Tonga, il est à Makinene. Vous l'aimez? Oui, prophète. Et il vous aime? Et il sait même là où je suis maintenant. Donc vous vous aimez? Oui. Il vous aime? Oui. Vous êtes connu, ça fait combien de temps? C'est un frère qu'on était depuis avant même mon mariage. Quand j'ai eu la déception, je lui ai pensé parce que je le connaissais avant. Quand vous avez eu la déception, vous lui avez pensé? Oui. Parce que vous... J'ai pleuré à Dieu et après j'ai pensé mon premier homme. Donc, il vous a dit qu'il vous aime? Oh oui, lui-même m'a fait comprendre que depuis notre enfance, lui-même n'a pas de paix de son côté. Et donc, vous voulez vous marier? Oui, prophète. Donc, il vous a dit qu'il va vous épouser, c'est ça? Oui, prophète. Ok.
Vous allez vous marier quand? Tous ces doutes, c'est toujours le problème d'enfant. Il m'a parlé l'autre jour. C'est de ça alors que j'ai dit que je préfère aller même me tuer, même dans l'église. Si je meurs là-bas, ça va pour moi. Je ne sais plus quoi dire. Attendez. Écoutez-moi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous êtes devant un prophète. Amen. Et vous saurez que vous êtes devant un prophète. Amen. Vous saurez. Le choix de ma vie. Regardez, vous voyez, il a un numéro orange, un numéro orange qui commence par 690, 91, 60 et 0 quelque chose à la fin. Oui, prophète. C'est son numéro de téléphone. Oui, prophète. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Amen. Dans son téléphone, il a un téléphone Samsung. Il a un téléphone Samsung. Oui. Noir. Oui. Téléphone Samsung noir. Oui. Dans ce téléphone Samsung, il a une fille dedans qu'il appelle chérie, qu'on appelle Nadège, qui est dans son téléphone. Et le numéro de Nadège dans son téléphone, c'est un 677. 70, 76, 6 et quelque chose à la fin. Amen. Lorsque vous allez partir aujourd'hui, dites-lui que j'ai appris que tu sors avec Nadège, que tu as une femme. Et c'est très sérieux avec la femme-ci. C'est pas quelque chose qui est caché. Dites-lui que je sais. Tu me trompes, tu me mens. Oui, prophète. Parce qu'il est en train de vous mentir, il ne vous aime pas. Amen. C'est de ça que moi-même j'ai ressenti. Il ne l'aime pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous vendiez au marché, à l'époque, Joseph vivait dans un marché. Oui. Oui, prophète. C'était où? C'est toujours chez nous à Tonga. Il y avait une femme à côté de vous qu'on appelait Pauline. Oui. C'est une vendeuse aussi, c'est votre amie. Oui, mon papa. Elle est à Tonga. Elle est là. On l'appelle comment? Pauline. D'accord. Il y a un monsieur qui venait acheter chez vous qu'on appelait Christian. Vous avez un client qu'on appelait Christian Tonga. Oui. Vous l'appelez monsieur Tonga. Tonga Christian. Oui. Et c'était un bon client chez vous. Oui. Un jour, il vous a demandé le numéro de téléphone. Oui. Et vous a dit qu'il vous aime, qu'il est intéressé par vous. Oui. Et vous lui avez dit que non, moi ma tête, je suis... Vous lui avez répondu quoi? Je lui avais dit que je suis troublé, les affaires des hommes, la laissez-moi. D'accord, quand vous allez rentrer, il va vous appeler, il va vous contacter. Il vous Amen. Aime. Amen. Amen. C'était troublé. Zaina Hella Beros. Kuraka Minau Dali Foloza. Zainaou. Mes yeux sont ouverts pour voir. Amen. Mes oreilles ouvertes pour entendre. Et ma bouche ouinte pour annoncer les oracles de Jésus-Christ dans ma génération. Amen. C'est votre mari là-bas. Amen. Amen. Vous savez, rentrez. Monsieur Tonga va vous appeler. Amen. Il va revenir. Il va vous dire, oh, je t'avais dit. Vraiment. Parce que lui-même était marié à une femme qu'on appelle Clarisse. Avec qui il est séparé, alors je parle. Il est en train de vous chercher. Amen. Ne refusez pas, acceptez-le. Amen. Votre mari. Amen. Et c'est avec lui que vous ferez les enfants. Amen. La femme si est délivrée. Amen. Elle va Amen. Boire l'eau aussi pendant 7 jours. Amen. Vous-même, vous avez un problème. Vous avez un petit problème qu'il faut résoudre. Vous me suivez? Oui, papa. Vous avez un petit problème qu'il faut résoudre. Vous avez un problème. Vous avez un problème, vous n'avez pas un problème. Vous attendez, oui. Vous avez un problème, vous n'avez pas un problème. Si vous ne connaissez pas votre problème, je vous dis votre problème. Oui, papa. Vous avez un problème, vous n'avez pas un problème. Papa, je ne connais pas encore le problème que j'ai. Vous ne connaissez pas. Problèmes, hein? Papa. Oui, papa. Il a les problèmes. Vous voulez que je parle en public?
Oui, papa. Je peux parler? Oui, papa. Ok. Elle s'est plainte chez vous? Hein? Elle s'est plainte. Par rapport c'est au vrai, travail, papa. La nuit. Elle s'est plainte parce qu'elle n'est pas satisfaite. À peine vous entrez que vous êtes déjà foutu. C'est vrai, papa. Et c'est un problème qui s'est répété. Et c'est devenu un problème dans votre foyer. C'est vrai, papa. C'est vrai. Non, vous n'avez pas de problème. Il y a ce que nous appelons le diagnostic prophétique. C'est-à-dire, je vous fais une échographie prophétique. Amen. Et quand je regarde, vos spermatozoïdes ont un problème. Hein? C'est un problème. Pourquoi? Parce que vous, quand vous éjaculez, c'est lolo. C'est lui qui a dit que je parle. J'ai dit c'est la démocratie. On pose et tu dis oui, parle et je parle. C'est lolo. Et ça veut dire que ces spermatozoïdes manquent de vitalité. Si je ne prie pas pour vous, même si elle est délivrée, vous ne pouvez pas lui faire l'enfant. Papa, et beaucoup d'hommes de Dieu lui ont dit ça. Il y a une jeune fille qu'on appelait Cécile. Hein? Oui, papa. Il y a une jeune fille qu'on appelait Cécile. Ça fait longtemps que vous avez rencontré. Et avec la fille, si c'était une histoire d'une nuit. Et quelque chose s'est passé avec le préservatif. Ça, c'est une vieille histoire, hein. Vous êtes allé avec la fille ici, et puis le matin, le préservatif a disparu. Elle a emporté le préservatif avec votre semence dedans. Elle est partie avec. Ça fait longtemps, vous étiez encore un jeune homme. Et elle est partie avec. Elle est partie faire ce qu'elle faisait avec, comme d'habitude. Depuis ce temps, vous avez commencé à souffrir des problèmes d'éjaculation précoce, de... la sorcellerie. On a pris sa semence, on est allé attaché. Heureusement, son père c'est un prophète. Amen. Maintenant, il faut que je prie pour ça, parce que tes règnes sont loin. Merci, papa. Tes règnes sont loin. Merci, Seigneur Jésus. Il faut te calmer, papa. À la maison. Calme-toi à la maison. Il faut qu'elle se calme à la maison. Il faut qu'elle. Elle doit se c'est calmer. Vrai, papa. Parce c'est que vrai. Elle est un peu. C'est vrai, c'est vrai. Et béni Dieu parce que j'ai c'est demandé vrai, si le Seigneur m'a visité. Tu es très colérique. C'est vrai. Si ce n'était pas les enseignements que nous recevons ici, c'est que. On n'est plus ensemble. Oui, papa. Tu suis. C'est vrai, je suis un peu colérique. Pas un peu, tu es colérique et méprisante. Tu le parles comme si tu parles à ton petit frère. Vérité. C'est vrai. Tu n'as pas demandé pardon. Plusieurs fois. Fais-le encore. Ok, j'accepte et je te pardonne. Et ça remène chez les lore. Et je vous sera melo. Et sera mi gura mi mole. Lo sera mi mole. Gauche vote. Sero melo sera mi faratin. Accéra mi more vodel. Je bénis votre maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis.